c'est Carlos. Je vous propose un petit cours de djembé, mais rassurez-vous, quelque chose de complètement ludique. D'ailleurs, si vous n'avez pas de djembé, ni de darbuka, vous pouvez taper sur vos genoux ou sur une table. Voilà, alors si vous êtes OK, saisissez dès maintenant une petite feuille sur laquelle vous notez ceci, une grande croix et deux petites croix. Vous y êtes ? Alors c'est parti. Alors voilà, on va se mettre le petit schéma sous les yeux avec la grande croix et les deux petites croix. Que veut dire une grande croix ? Eh bien la grande croix signifie tout simplement que l'on va taper une fois fort au centre du djembé, comme ceci. Ça c'est une grande croix. Une petite croix veut dire qu'on va taper faiblement au bord du djembé, comme ceci. Je répète, une grande croix, c'est ceci. On tape fort au bord du djembé et une petite croix, on tape faiblement au bord du djembé. Deuxième règle, très importante. On n'a pas le droit de jouer deux fois de suite avec la même main. Vous pouvez commencer avec la main droite ou la main gauche, ça n'a pas d'importance. Mais ensuite, c'est jamais deux fois la même main. Je vous joue une fois l'exercice avec ces règles. Je démarre avec la main droite. Grande croix, petite croix, petite croix. Je reprends, mais à la deuxième fois où je vais jouer l'exercice, je ne vais plus démarrer avec la main droite, mais avec la main gauche cette fois. Et ainsi de suite. On y va tous ensemble. On démarre par la main droite. Grande croix au centre, petite croix, petite croix. Je reprends au début. Grande croix, petite croix, petite croix. Grande croix, petite croix, petite croix. Jamais deux fois de suite la même main. Fort au centre, faible au bord. Grande croix, petite croix. N'essayez pas d'accélérer tout de suite. Vous n'y arriverez pas. Soyez patient et progressivement, vous commencerez à jouer de plus en plus rapidement. Comme ceci. Mais surtout, n'essayez pas tout de suite, c'est pas la peine, vous allez vous décourager. J'ai commencé cet exercice, enfin plus exactement, j'ai testé cet exercice sur une petite de tout juste 4 ans et ça marche. Si vous le faites faire à vos enfants, faites-le 2 minutes par jour maximum, sinon vous allez les fatiguer et les décourager. Je vous propose maintenant de regarder une petite de 4 ans qui réalise fort bien cet exercice. Tu peux y aller. Alors voilà, ce module est maintenant terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous avez vu, c'était pas très compliqué. Je posterai régulièrement des modules de djembé, si ça vous dit. En tout cas, j'attends avec impatience vos commentaires sur ma page MySpace ou directement dans ma boîte email. Je vous donne l'adresse deface, qui s'écrit DEFACE, @club.fr. Et surtout n'oubliez pas, allez-y doucement,
Vous pouvez faire ça n'importe où, au boulot, au réfectoire entre midi et deux, dans un taxi, sur vos genoux, à l'arrêt de bus, que sais-je encore. Donc voilà, c'est ma première vidéo, je compte sur votre indulgence et je vous dis à très bientôt.